Bonsoir à tous, c'est Laurent Ruquier et bienvenue dans l'émission On a tout essayé. Nous sommes en 2005 et un scandale éclabousse la famille de Monaco. En effet, après la mort du roi Rainier, son fils, le prince Albert, est éclaboussé d'une affaire compromettante. En effet, il aurait eu plusieurs enfants cachés. Pour en parler, nous accueillons tout de suite Anne-Sophie de la Coquillette. Bonsoir à tous. Hola mes copains, hola mes cochons, bonsoir. Anne-Sophie qui, comme son nom l'indique, en sait forcément beaucoup, beaucoup sur la famille de Monaco. Tout à fait. Et alors moi je vous dis stop. Ah oui. Cessons les calomnies. Ah oui. Ah oui, non, moi je peux pas vous laisser dire toutes ces bêtises. Je connais personnellement son intel sérénissime et je peux vous dire que tout ce qui se dit dans la presse est faux, archi faux. Ah oui. Ah, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, concrètement. Là, en principe, c'est à vous. Mais enfin, si vous n'avez pas envie de travailler... Ça veut dire que vous connaissez personnellement... Voilà, c'est ça. ...le prince Albert. Mais bien sûr, je viens de vous le dire, j'ai été sa nurse. Ah, je le connais depuis très longtemps. Je le connais depuis 1000 ans. Et 1000 ans en Italie. J'avais à l'époque une école de bobsleigh. Ah, le fils Rainier n'était pas le seul de mes élèves. J'en avais moult. Et qui est-ce que j'avais? J'avais le fils du tourisme, qui était pas mauvais. J'avais le fist fucking, adorable. Elle est très forte. On dit pas de mal du fist fucking, moi j'adore le fist fucking. C'est très drôle. Je louais un chalet en altitude. Vous allez me dire pourquoi louer un chalet quand on peut louer un magnifique siamois. Chalet, siamois, rigolade. Mais attendez, qu'est-ce que vous faisiez en altitude? Je leur apprenais les rudiments du surf. Vous voulez dire du surf? Non, le surf. Non, non, vous... le surf. Le surf. Je sais de quoi je parle. Le surf. Non, le surf. Le surf. Oui. Oui, oui, autant pour moi. Le surf. Le surf. Le surf. Surf. Non, le surf. Autant pour moi. Le surf. Le surf. Donc vraiment le surf. Oui, 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 ça y est, ça me revient. Pas le surf. Vous montez sur le dos d'un surf, vous lui tenez les bois, et vous glissez tout chose comme ça. Bon, bien sûr, il faut lui scier les pattes avant et les pattes arrière. Parce que sinon, ça glisse, il y a des cailloux, tout ça, bon. Ah oui. Mais un jour, j'en ai eu marre de la montagne, le froid, la neige, tout ça. Alors, j'ai tourné les talons. Les talons. Un chef-d'œuvre magnifique avec Rocco Siffredi qui nous a valu une critique dithyrambique. Dithyrambique ! Non, mais attendez. Vous êtes une vulgarité sur Internet, c'est pas possible. Quel rapport avec le prince Albert ? Aucun. Excusez-moi, mais le public s'interroge. En revanche, ça me fait penser à une anecdote drôle en diable. J'avais à l'époque un ami barman qui s'appelait Albert. On le taquinait, Albert de Monaco. Elle est très drôle. Et elle ne marche pas avec panaché. Albert de panaché, ça marche moins bien. Bon, là, excusez-moi, mais le public s'impatiente vraiment. Est-ce qu'on peut revenir au sujet, s'il vous plaît? Je ne préfère pas. Comme je me suis dit que je n'avais rien à faire à part imiter Anne-Sophie de la Coquillette, je me suis dit que j'allais... imiter Anne-Sophie de la Coquillette lors de son sketch des histoires monégasques que j'adore. Moi-même, j'imitais très mal Laurent Ruquier, donc je pense qu'on est quitte. Bye bye! Oh! Merci d'avoir suivi cette émission de On a tout essayé, Revival de 2005. N'hésitez pas à vous abonner!